Bonjour, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vous fais une vidéo spéciale comment entretenir ses vêtements et les choisir pour être sûr qu'ils durent vraiment longtemps puisque bon, c'est quand même le but d'un minimaliste. Une fois qu'on a trouvé des vêtements qui nous vont et qu'on aime, on aimerait bien les maintenir un max de temps, surtout si on veut réduire nos déchets. Alors tout d'abord, il va falloir faire attention à l'achat. Quand vous achetez vos vêtements, que ce soit en seconde main, dans le marché de l'occasion, même sur Vinted, etc., je vous mets mon lien en dessous, ou dans les magasins écologiques ou pas, ou sur internet, n'hésitez pas à regarder les matières. Les matières naturelles auront tendance à mieux se maintenir, à moins se détériorer dans le temps, à condition de bien les traiter. Ensuite, tout ce qui est synthétique, en général, il va y avoir un peu d'élastane, un peu d'élastique, et ce sont ces fibres d'élastique qui vont se détendre et donc déformer le vêtement. Aussi, faites attention à ce que la matière soit assez qualitative. Vous pouvez avoir du coton, mais si le tissu est trop fin, il peut forcément se trouer plus facilement ou s'abîmer, etc., se pelucher. Donc voilà, essayez aussi au toucher de noter au fur et à mesure, vous allez voir avec vos vêtements, vous avez déjà vu quel genre de pièce, même si ça vient de la fast fashion ou quoi, peut vous accompagner depuis des années et qui paraît encore totalement correct. Ensuite, une fois que vous avez votre vêtement, il va falloir évidemment regarder comment en prendre soin. Donc ici, je vais vous faire un petit récap de ce que vous pouvez trouver en mode étiquette de lavage. Alors, pour pouvoir laver vos vêtements, déjà, j'ai envie de vous dire, astuce numéro 1, ne lavez pas vos vêtements à chaque fois que vous les avez portés. Je parle évidemment de tout ce qui est autre que les sous-vêtements, genre les culottes, hein, ou slip. Donc, ça peut être un pull, un jeans, ne les lavez pas à chaque fois. Attendez, soit qu'ils soient tachés. Vous pouvez aussi voir si vous pouvez traiter la tache localement, ensuite le faire sécher et peut-être que tout est bon. Et ou après 4-5 jours, peut-être que oui, il y aura besoin de le laver. Donc que faire? Vous n'avez peut-être pas envie de ne rien faire entre guillemets entre mon pull ce soir et demain. Vous pouvez le laisser dehors, qu'il s'aère un petit peu par exemple. Vous pouvez aussi, pendant que vous prenez votre douche, mettre votre laine, les laines aiment beaucoup ça, dans la salle de bain. Juste dans la salle de bain, ça va ranimer un peu la laine, en gros. Pas dans la douche, hein, mais juste poser sur la commode, c'est parfait. Ensuite, maintenant, on va parler du lavage. Donc, vous avez remarqué, il y a des étiquettes. C'est un vrai mode d'emploi, ça nous dit comment traiter vos vêtements. Et même si personne ne le fait, il faut vraiment les lire et suivre ces instructions. Donc, je vais vous mettre ici, si ça passe, oui, je vais vous mettre ici les symboles de lavage. Donc, si vous avez une sorte de bassine d'eau avec une croix, ça veut dire qu'on ne peut pas le laver. Donc, ça va être un vêtement, par exemple, une jupe en simili-cuir, où il va falloir le traiter un peu comme de la chaussure, de temps en temps, nettoyer avec une crème et peut-être le cirer, voilà. Ensuite, vous avez le lavage à la main. Alors, il existe aussi des machines qui commencent à faire lavage délicat, voire lavage à la main. Ça peut être aussi une astuce, quoique c'est ce qu'il faudra surtout faire attention, c'est l'essorage. Éviter par exemple des essorages pour les affaires délicates. Ou tout simplement laver à la main. Et attention, quand c'est lavé à la main, c'est aussi niveau température. C'est pas uniquement qu'il ne faut pas trop le bouger, mais c'est aussi niveau température, maximum 30 degrés. Mais sachez que le plus froid, c'est le mieux. Parce que la chaleur, s'il y a des élastiques, la chaleur va tuer ces élastiques et donc faire que vos vêtements se déforment, tout simplement. Ensuite, une fois qu'on peut le laver en machine, vous avez ce petit symbole avec le degré. À combien de degrés vous pouvez le laver? Parfois, ça dépend des tâches. S'il n'y a pas de tâches, vous pouvez aussi toujours aller au plus froid si c'est juste pour le rafraîchir et donner une autre odeur, par exemple. Et ensuite, regardez bien s'il y a une barre en dessous de cette petite bassine. Ça peut vouloir dire s'il y en a une.
qu'il faut descendre le niveau d'essorage. S'il y en a deux, c'est vraiment le limiter à fond, voire pas du tout. Parce que du coup, ce sont des fibres qui peuvent s'abîmer à force d'être secouées dans tous les sens. Ensuite, je regarde mon anti-sèche. Désolée. Donc forcément, la température. Donc c'est la température maximale. Sachez que les cotons, par exemple, en général, arrivent à supporter du 60 degrés, si c'est du 100%. Mais veillez à ne pas non plus mélanger trop les couleurs. Alors, si vous lavez du blanc que avec du blanc, c'est le seul truc qu'il faut vraiment trier en fait. Et les couleurs pour les vêtements neufs, où vous pouvez les pré-laver avant, parce qu'après, une fois qu'il y a eu un lavage, ça ne dégorge pas. Si vous avez toujours lavé du blanc avec le blanc, et que votre blanc devient grisâtre, ce n'est pas le blanc qui part, c'est tout simplement un manque d'entretien de votre machine à laver. Entre lavage couleur et lavage blanc, peut-être vous auriez eu besoin de faire un petit lavage à vide avec du vinaigre, etc. de votre machine à laver pour être sûr que toutes les pluches de couleur soient parties. Ça peut arriver. Vous pouvez le faire une fois toutes les saisons, par exemple, la faire tourner à vide avec beaucoup de vinaigre dedans, un peu de bicarbonate, et ça va nettoyer votre machine à laver tout en la détartrant. Voilà, c'est à savoir. Si maintenant votre blanc n'est plus tout à fait blanc, sachez aussi que, au niveau du séchage, on va en venir, le soleil est votre meilleur ami pour le blanc. Donc ce soleil va vraiment servir d'agent blanchissant, ce sont les UV, tout comme quand vous, si vous avez des enfants, s'ils ont fait caca sur le body ou quoi, je sais, c'est... Eh bien, vous l'avez lavé, vous avez encore une petite tache jaunâtre, mettez-le au soleil, elle va disparaître. Oui. Alors, je sais plus s'il y avait encore des astuces lavage. Oui, vous avez aussi le petit triangle. Donc, il y a le triangle ou triangle barré. Triangle barré, c'est pas de javel, donc pas de chlorure, machin, etc. Ou sinon, bah, si vous l'avez, c'est que vous pouvez l'utiliser. Bon, perso, j'en ai jamais utilisé de toute ma vie. Je pense qu'il y a toujours des solutions naturelles. D'ailleurs, j'ai même envie de vous dire, pour votre lavage de vêtements, visez pour une lessive naturelle. Si vous êtes intéressé, je vous ai fait une recette de lessive au savon de Marseille. Je vous mets le lien là en carte et là en bas. Donc, voilà, c'est super pas cher. Je parle magnifiquement bien. c'est super économique et surtout très efficace. Surtout que celui-là est 2 en 1, il fait aussi adoucissant parce qu'il y a du vinaigre dedans. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous parler aussi, donc tout ce qui est nettoyage, après vous avez aussi le rond, soit le rond barré, soit le rond avec un P. On parle là de nettoyage à sec. Si le rond est barré, c'est qu'on ne peut pas passer par le nettoyage à sec, la matière est beaucoup trop sensible. Le nettoyage à sec, c'est quoi? C'est un nettoyage qui va se faire sans eau, forcément. Vous allez chez le pressing et vous laissez vos affaires. Et en fait, ils vont être bombardés d'agents chimiques, enfin de substances chimiques qui vont tuer toutes les bactéries, toutes les taches, etc. Mais elles resteront imprégnées de cette chimie. Donc à vous de savoir, si vous ne voulez pas l'aérer bien après, ne le laissez surtout pas dans les poches en plastique parce que ça va faire... que la fibre va continuer à être chimique et va pas pouvoir respirer. Donc enlevez-les directement de cette poche. Et n'oubliez pas aussi que quand vous allez porter un costume, vous n'êtes pas obligé de le passer à chaque fois au pressing. Laissez-le s'aérer et voilà, de temps en temps. Sauf s'il y a vraiment une grosse tache. Ensuite, on va parler, je crois que je suis au séchage. Au séchage, donc vous avez différents... Je regarde parce qu'ils sont assez marrants. Vous avez différents symboles. Donc... il y a 2 écoles, moi je suis école, séchoir, enfin pas séchoir, sèche-linge, corde à linge. Après vous avez l'école séchoir. Bon, moi, j'ai jamais été séchoir. Donc, sachez que sur les vêtements, il y a marqué s'ils vont supporter le séchoir ou non. Donc si c'est barré, ils ne supportent pas le séchoir, il faut le laisser sécher à l'air libre. Et ensuite, vous allez avoir aussi une indication de l'intensité de la température du séchoir. Donc, 3 points, c'est-à-dire que vous pouvez le faire à max, 2 points un peu moins, enfin voilà. Suivez normalement, ça correspond au programme de votre séchoir. Pourquoi? Ben, ça peut être surtout pour les fibres élastiques qui ne supportent pas la chaleur, parce qu'encore une fois, elles vont se détendre. Donc au plus votre vêtement sera naturel en mode coton, au plus de température il va supporter. Donc ça, c'était pour le séchoir.
Maintenant, si vous êtes plutôt en mode sèche-linge, on sèche le linge sur une corde ou sur un étendoir, il y a aussi quelques astuces. Si vous avez un petit symbole d'une corde, c'est bon, vous pouvez le faire à la verticale. Maintenant, par exemple, vous savez que les pulls en laine, les mailles, comme elles sont lourdes, ne supportent pas, elles vont se déformer, elles vont se casser. Si vous le faites en verticale, il faut le faire à plat. C'est pour ça qu'il existe ce genre de séchoir où vous pouvez mettre vos pulls à plat. Pareil pour les pulls, normalement, il faudrait les laver à la main tout le temps. Tout le temps. Oui, normalement. Après, il va y avoir une vidéo numéro 2 pour savoir comment récupérer si vous n'avez pas vraiment suivi tout à la lettre. Oui, je suis coupable. Ensuite, vous avez aussi, dans le séchage, ça rejoint aussi l'essorage. Il y a des vêtements qui ne supportent pas du tout l'essorage. Et c'est un séchoir par égouttage. Séchage par égouttage. Voilà, c'est les petites gouttes qui tombent. Voilà, voilà. Il faut le savoir, c'est quand même utile. Donc là... Donc voilà, ça c'est toutes les instructions de lavage. Il y a aussi maintenant le repassage. Le repassage, c'est assez simple. Soit vous pouvez, pas, soit vous pouvez. Et en fonction, si vous pouvez, vous avez l'intensité marquée aussi. Maintenant, si vous savez la matière, votre fer, soit va vous mettre la roulette par intensité, soit par matière. Coton, lin, synthétique, etc. À vous de bien paramétrer la chose. Sachez que en fonction de l'intensité, vous pourrez utiliser ou pas l'option vapeur ou le petit bouton où vous appuyez. Quoi. Au plus, il peut supporter de chaleur, au plus vous pourrez faire la vapeur. S'il ne peut pas supporter de chaleur du tout, ne faites pas la vapeur. Genre le point numéro 1, pas de vapeur. C'est aussi simple que ça. Maintenant, vous pouvez aussi deux fois éviter tout simplement la machine à laver et pourquoi pas laver la tâche. S'il n'y en a qu'une seule tâche, vous pouvez vite la laver. Après, ça dépend quel genre de tâche. J'ai pas le guide super complet, mais je pense qu'on peut tout trouver sur internet. Certaines tâches ne vont pas aimer l'eau, elles vont s'étendre. D'autres tâches vont apprécier d'être vite lavées sur le fait. Moi j'ai un petit pain, c'est pas de savon mais c'est un petit pain anti-tâche qui est fait de savon de Marseille et de bicarbonate de soude et j'avoue que ça fonctionne pour beaucoup de choses. Sachez que si vous faites une tâche de sang, que vous vous êtes coupé ou vous êtes une fille et vous aviez loupé le début de votre période, vous pouvez directement laver cette tâche à l'eau froide et le sang va partir direct, il n'y a pas de souci, ça part. Mais à l'eau froide, parce que le chaud va fixer la couleur rouge ou ocre, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, voilà. Quoi d'autre? Maintenant, on peut aussi parler... avec mon compagnon, des fois, on s'entend pas sur ce qu'il faut laver à l'envers ou pas. Tout va dépendre. Si vous avez des taches, il faut laver du côté de la tache. Du côté qui a été exposé en premier lieu à la tâche, sinon ça va pas partir. Je pense par exemple au jeans. En général, le jeans, pour protéger le denim, il faut le laver à l'envers. Maintenant, si vous avez une grosse tache de sauce tomate ou autre sur le devant de votre jeans, si vous le mettez à l'envers, il y a de fortes chances qu'il y ait encore des résidus de tâche parce que le produit n'a pas pu tout pénétrer. Puisque comme justement c'est le but de mettre à l'envers, eh bien, le denim est protégé, mais du coup la tâche aussi. Voilà, donc tout va dépendre du nombre, de la forme, la matière du tissu et la tâche, si vous avez des tâches, tout simplement. Ensuite, ah oui, sachez aussi qu'il se peut, si vous n'avez pas de tâche du tout, et bien moi je connais des personnes qui font tourner des machines à laver sans produit. Oui, parce que c'était juste pour rafraîchir, ils mettent un peu de vinaigre, de l'eau, l'eau de la machine, et voilà, c'est tout. Mais eux, ils ont de la chance de pas avoir beaucoup de tâches. Ce qui chez nous arrive pas, on a des enfants en bas âge. Ensuite, qu'est-ce que j'avais dit d'autre? Je ne sais plus. Maintenant, on va parler de... n'oubliez pas, pour le lavage, tout ce qui est sous-vêtements ou matière vraiment délicate qui pourrait s'accrocher dans les petits trous du tambour ou les lacets des chaussures, mettez-le dans un petit sac, vous savez, le petit sac en tissu mèche, là. Je sais pas comment expliquer. Spéciaux pour les machines, voilà, mettez tout là-dedans. C'est aussi une très bonne astuce pour mettre toutes les chaussettes dedans, comme ça vous les avez toutes en même temps, vous ne chercherez pas, il n'y en aura pas des chaussettes perdues, plus jamais, voilà.
Alors, maintenant, on va parler de rangement ou de mise sur le côté si vous permutez les saisons dans votre armoire. Donc déjà, tout ce qui est rangement, bon moi je n'ai qu'une commode et j'utilise 3 cintres dans la garde-robe de mon compagnon. Mais par exemple, tout ce qui est mailles épaisses, pliez-les. Ne les pendez surtout pas sur les cintres parce qu'elles vont se déformer, c'est pareil. Ensuite, tout ce qui est t-shirt, etc., ça va être préféré plier pour éviter de devoir le repasser. Essayez de repasser un minimum parce que ça peut quand même abîmer les matières. Et aussi, si vous permutez, n'oubliez pas de tout laver bien à fond avant de mettre dans des boîtes de rangement, etc. Veillez à ce que ça soit bien sec. Et surtout, évitez de les mettre dans des sacs en plastique ou dans des boîtes en plastique. Parce que le plastique va garder l'humidité, s'il y en a, et va aider aux bactéries à se propager. Donc n'oubliez pas de les mettre dans une boîte en carton ou, je sais pas moi... Boîte en carton, c'est mieux. Avec un petit sac de lavande, et c'est parfait parce que la lavande a un pouvoir aussi désinfecteur. Et en plus, ça sentira bon. J'ai oublié de vous dire, c'est la dernière chose, quand vous étendez votre linge, le blanc au soleil, c'est top. Les couleurs, ils aiment moins le soleil. Oui, ça sèche plus vite, mais les couleurs vont s'affadir, ils vont se ternir. Aussi, pareil, tout ce qui est élastique, c'est pareil que pour la machine à laver ou le séchoir, n'aime pas la chaleur. Donc évitez de faire sécher votre maillot au soleil si vous ne voulez pas qu'il se détende, qu'il perde sa forme. Et tout autre sous-vêtement ou autre en lycra ou tissu élastique. Si vous voulez préserver leur forme, ne les mettez pas au soleil ni à la chaleur. Voilà, voilà. J'espère que vous avez appris quelque chose et n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour suivre pour pouvoir voir la vidéo numéro 2 qui arrivera dans quelques semaines où je vais vous montrer comment réparer ou réanimer les vêtements qui ont peut-être perdu un peu de leur éclat ou qui se sont abîmés avec le temps. Voilà. J'espère que vous avez aimé et je vous dis à la prochaine. Si j'ai oublié une astuce, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Ciao, ciao !